Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Donc, c'est un haul Zara aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je voulais le tourner, mais à chaque fois j'ai retardé un peu l'échéance parce que soit je estimais que mes fringues n'étaient pas top top top, soit bon, j'avais rien de transcendant à partager avec vous. Donc là, c'est chose faite. Bon, c'est l'été, mais en même temps, on va dire que l'automne approche à grands pas, la rentrée également. Mais malgré tout, j'ai quand même quelques articles. Il y a un mix un peu de fringues été, fringues automne, fringues de la rentrée, quoi. Donc j'essaie de mélanger les deux parce qu'il fait quand même encore beau cette semaine. Et je pense que dans le mois qui vient, il fera encore suffisamment beau pour porter des tenues adaptées. Donc j'essaie de faire un mix de fringues été-automne. Voilà. Donc. J'espère que ce haul vous plaira et puis let's go! Alors on démarre avec la première robe, voilà, dans une couleur un peu originale, le vert. Donc voilà comment elle se présente, c'est une robe mais vraiment toute simple. Donc là je les ai portées avec des mules, les mules en cuir de Zara, vous les connaissez par cœur. Moi j'avoue que c'est bien indispensable pour moi l'été. Donc voilà, c'est une robe à volant avec des boutons sur le devant, avec des bretelles un peu assez épaisses. Et je la trouve nickel, elle est super confortable. Là, en juillet, je l'ai portée très très souvent avec les fortes chaleurs et tout, lorsque j'allais me promener. Et j'étais trop contente, vraiment, on est bien dedans. Donc je l'ai présentée avec elle. Pour le prix, vais-je me rappeler du prix, pardon. Je sais que le prix est assez élevé. Après, c'est une robe avec une matière assez, assez solide, quoi. C'est pas quelque chose de trop trop fluide, pas trop trop... C'est une robe estivale, mais on sent qu'elle est quand même de qualité, quoi. Donc c'est une robe au prix de... 39 euros, c'est assez cher certes, mais j'avoue que j'ai flashé. Quand je l'ai vu sur le site, j'ai flashé sur la couleur, que je trouvais vraiment originale. Donc je l'ai gardée. Et voilà, je vais la porter. Voilà, je pense qu'avec avec le temps, ce sera plus forcément nécessaire. Mais pour les vacances, là je pars en vacances en octobre, il fera super chaud. Je vais l'emmener dans ma valise. Donc elle est toute simple, toute mimi, toute jolie. Donc avec un petit sac marron comme ça. Voilà, je me trouve toute mignonne dedans, c'est confortable, c'est sans prise de tête, voilà, ça reste féminin et moderne. Voilà, alors l'ensemble suivant, c'est ce top noir et ce short, voilà. Donc le top noir, il est vraiment tout simple, hein, mais j'avoue que c'est parfait pour l'été et c'est parfait pour tout ce que je porte en bas avec tout ce qui est taille haute, c'est nickel ensemble. Donc le haut, il était au prix de, je sais plus, peut-être moins de 10 euros, voilà, en taille L, voilà, il est sans manche, col V, donc vraiment, je vous invite à investir dans ce genre de haut, parce que ça se combine bien avec tout ce qui est comme ça, un peu haut, enfin un bas avec un taille haute, c'est parfait. Donc là, j'ai acheté ce short qui est magnifique. Donc c'est un short à volant avec des imprimés marguerite dessus, donc on dirait une jupe, mais en fait, bon, voilà, vous voyez dessus, en dessous, voilà. C'est un peu mi-jupe, mi-shirt, jupe culotte, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, bref. Voilà, taille haute, super confortable. Donc le short, il est au prix de 29 euros et quelques. Taille L, bien entendu. Et je trouve même assez fluide, il n'est pas du tout serré. Moi, ça ne me dérange pas de montrer mes jambes. J'avoue que, bon, j'ai pas de complexe avec ça. Donc je les ai associés avec des sandales à talons, je trouve que ça c'est super joli, super sexy pour l'été. Vous pouvez également les associer avec des baskets toutes blanches, des petites Converse, des Adidas, bref, faites comme vous le sentez. Ou des mules, ça peut le faire également. Mais je trouvais que les sandales à talons, c'était pour moi ce qui était le plus séant. Et le plus, pas le plus sexy, mais le plus élégant. Donc je trouvais que l'association était vraiment parfaite. Pour mon style. Donc voilà, il y a des petits accessoires, c'est très joli. Donc pour info, le short il est encore disponible sur le site. Je sais que dans les commentaires on va me dire ouais il est pas dispo et tout. Les filles, je vous invite bien entendu à chaque fois que je vous propose des hauls d'aller regarder en boutique parce que moi je vous en parle là, mais j'ai pas tout commandé sur le site. Hein. Il y a pas mal d'articles que j'ai acheté en boutique, mais si je les trouve sur le site, et ben forcément je vous mets le lien. Mais souvent, des fois, il faut un petit peu récupérer la référence et appeler les boutiques pour vérifier s'ils sont dispo. Donc voilà, il faut aller à la chasse avec certains fringues Zara parce que certains fringues sont assez recherchés et très demandés. Voilà, donc voilà, je suis super fan avec un petit set comme ça en raffia. Je trouve que l'association est vraiment parfaite. Et je trouve super joli. Bon là les filles, vous n'allez pas forcément saisir l'engouement, mais vous avez devant vous la pièce que j'ai le plus portée depuis juin. C'est ce top noir. Voilà, c'est un top noir, mais alors con, simple,
qui ne paie pas mine, mais il se combine avec plein de choses. Et je le trouve super joli et finalement, je ne regrette pas du tout l'achat. Donc le haut, c'est un espèce de top bandeau, qui s'apparente un peu à... C'est pas un haut de maillot, mais voilà, il est plutôt court. Donc c'est le genre de haut où vous allez porter avec un soutien-gorge sans bretelles bien entendu. Donc le haut, les bretelles, se fonctionnent derrière le cou quoi, voilà. Donc j'ai associé avec une jupe, portefeuille également de chez Zara. Elle était disponible pendant les soldes, bah j'ai craqué dessus hein, je vous avoue. Et je sais pas si elle est encore disponible. Donc le haut, il est au prix de... Il est au prix de 15€, je crois qu'il est encore disponible. Et je vous, si il est encore dispo, je vous invite à vraiment foncer en boutique, le prendre. Parce que vraiment, je vais vous montrer avec quoi je l'associe, je vais l'associer à la rentrée. Vous allez kiffer. Donc, taille L à 15€. Et la jupe, je l'ai pris également taille L. Elle était soldée, je ne sais plus, peut-être une quinzaine d'euros. Donc, je trouvais l'ensemble super joli. Voilà, c'est vraiment original, c'est parfait pour l'été, encore une fois, là j'ai encore la portée parce qu'il fait encore beau actuellement, mais bientôt je sais que je vais devoir la ranger dans mon placard quoi. Donc avec des talons, encore une fois, je trouve que c'est super joli, pour me promener, je la porterai bien demain, cette jupe là que je trouve vraiment jolie, c'est des motifs comme ça que je porte pas habituellement, mais finalement je trouve que... Le résultat est vraiment, il claque quoi. Là j'ai un joli petit style, je me sens bien dedans. Donc le bas 12,90€ et le haut 15,90€. Voilà. Donc franchement foncez pour le top. Hein, bien entendu le top vous allez mixer avec un truc taille haute si vraiment vous êtes complexé par votre ventre. Hein, parce que sinon ça fait un peu trop, voilà j'ai pas l'âge pour mettre des trucs taille basse quoi. Mais associé avec un petit blazer et un pantalon plutôt, enfin vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer. Mais en tout cas c'est une tuerie. Alors là les filles, vous avez face à vous l'objet fashion non identifié par excellence. Ce blazer avec le top noir dont je vous parlais tout à l'heure, mixé avec un pantalon. Bah, pourtant, je vous l'ai déjà montré dans un précédent haul, mais là je voulais vous montrer avec le blazer. Je trouvais que l'ensemble faisait vraiment un style de ouf quoi. Donc ça portait à la rentrée, tu claques, t'es belle, t'éblouis tout le monde, t'impressionnes tout le monde. Donc ce blazer, donc je l'ai acheté chez Zara, je l'ai pris en taille XL, mais vraiment j'ai fait exprès de le prendre un peu plus grand que prévu. Je pense que le L ça m'aurait convenu parfaitement, mais je trouvais que large, ça donnait davantage. Donc avec un bas dans les mêmes tons que le blazer, bon c'est pas le même, mais je trouve que voilà les tons s'associent plutôt bien. Voilà, il avait des manches un peu froncées, on appelle ça comme ça. Et je trouve que là, en termes de style, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc taille XL, par contre, il est un peu cher, donc 69€. Donc c'est un investissement dans lequel vous réfléchissez avant de l'acheter. Mais c'est vrai que quand vous le recevez, bah, vous ne regrettez pas d'avoir dépensé 69€ pour ça. Donc avec ce pantalon, nickel, une petite ceinture, et puis tu marches, puis tu fais ta belle. Et voilà, et t'es contente. Ou même porter avec des baskets, ça fait aussi. Mais là, je suis avec des talons. C'est nickel, vraiment là t'es féminine, t'es sexy, t'es élégante, que vous dire d'autre quoi. Là j'ai prêté un petit sac noir comme ça pour aller bosser. Ou même là j'ai mis un petit le haut un peu crop top, mais je pense que avec un débardeur beaucoup plus simple, un body hein, ça le fait aussi. Mais là comme il fait encore un peu chaud, je trouvais que là comme ça avec un truc un peu court, ça se combinait bien. Mais bien entendu vous pouvez le porter avec un débardeur, hein, je vous en voudrais pas. Donc voilà. Là c'est le style par excellence. Je tombe par terre et j'arrête le haul là. Parce que là je pense qu'on a trouvé la pièce quoi. En tout cas je suis super contente de l'avoir acheté. Je vais le garder bien entendu hein, parce que ça je suis trop fan. Et ça va faire partie de mes must have pour septembre, pour l'automne. Voilà, donc je vous les recommande vivement. Ensuite un pantalon encore une fois qui sort un petit peu de ce que je porte habituellement. Dans les tons plutôt verts. Donc c'est un pantalon à pince, fini jean, taille haute, coupe un peu 7/8. Donc habituellement, ou même avant de tourner cette vidéo, je ne savais pas avec quoi l'associer, je vous le dis direct. Et je me suis dit, mais fais simple en fait. Donc finalement, je l'ai porté avec un t-shirt blanc. Voilà, un t-shirt blanc comme ça, retroussé, hein, ça va acheter à la sauce l'année dernière. Et je trouve que le résultat est claque. Donc là, il y a des sandales, je sais pas, j'ai pas mis des noirs, j'ai mis des rouges. Et là, je trouve que bah, le résultat est dur, encore une fois. Donc, ça pour aller bosser, mais alors sans problème. Je trouve que c'est simple et tu restes quand même stylé, quoi. Donc, le jean, je l'ai pris en taille M.
parce qu'il taille vraiment grand. Même là, encore une fois, je trouve que je suis pas serrée dedans. Donc, habituellement, je porte que du L, vous savez, chez Zara. Mais cette fois-ci, écoutez, je l'ai pris en taille M. Et je regrette pas du tout. Voilà. Donc, avec des petites sandales rouges, comme ça, un peu colorées. Là, j'ai pris un petit sac, un bon petit sac, là, un peu ample, pour aller travailler. T'es bien dedans. Des petits accessoires. C'est simple, c'est passe-partout et ça reste fashion. Donc vraiment, je valide à 10 000%. Donc le jean est au prix de 39,90€. C'est encore un indétrônable, indispensable pour la rentrée. À portail des baskets également, je pense que ça le fera, mais alors sans problème. Donc là, franchement, je valide la tenue, je valide le pantalon, qui est vraiment original et qui finalement est simple, mais qui fait la tenue. Voilà, donc je vous le recommande. Un peu court et... Encore un autre petit coup de cœur, c'est une robe mais vraiment tellement simple. C'est le genre de robe que tu vas mettre quand le temps il est dégueulasse, mais tant il fait chaud que t'as même la flemme d'exister. Donc en gros, cette robe elle est à manches courtes, col V, un peu plus large sur le bas. La matière elle est pas très épaisse mais suffisamment pour pas que ce soit quelque chose de cheap. Et je la trouve super belle. Donc elle est au prix de 19€. Donc vraiment pas cher. Donc j'ai décidé de les associer avec des chaussures un peu plus originales, étant donné que la robe elle est quand même basique. Donc des chaussures rouges, je crois que ça claque bien, ça va bien ensemble. Avec un petit sac également coloré. Parce que la robe elle est vraiment, on va dire, vraiment basique quoi. Donc ensemble ça fait joli. Voilà, c'est tout ça. C'est le genre de robe que je mettrais pour aller travailler sans problème avec des baskets ou des sandales. Mais vraiment quand il a fait 40 degrés, là, 42 degrés, cette robe, voilà, je pense que ça aurait été parfait. Et encore, je pense même que j'aurais du mal à la supporter. Mais bon, malgré tout, c'est des robes pour les fortes chaleurs, quelque chose de pas compliqué, tu vas te promener, c'est parfait. Donc là je pars en vacances avec, alors sans souci quoi. C'est super confortable. T'es à l'aise dedans, c'est joli. Donc je l'ai prise en taille M, parce qu'elle taille vraiment très très grand. Et j'étais assez surprise du prix. Et je regrette pas du tout l'achat. Voilà, un joli blanc, plutôt simple et pur et tout. Et c'est vraiment parfait pour l'été. Donc encore une fois, je valide la pièce, que je trouve simple, mais en même temps, féminin. Alors l'ensemble suivant, je vous l'avais partagé sur Insta direct. Et vous avez été très nombreuses à apprécier. Donc c'est cette chemise blanche et ce short. Moi aussi j'avoue que j'ai été fan quand j'ai vu sur le site le modèle porter le haut et le bas. Je trouvais ça super joli. Et finalement j'ai été conquise. Donc le haut il est au prix de 29€ et le bas à 19€. J'ai vraiment galéré pour le trouver à l'époque hein, parce que voilà, sur le site il n'était pas dispo. J'étais allée en boutique, voilà, je trouvais une boutique mais même pas près de chez moi. J'ai dû aller en plein Paris et la trouver, mais vraiment c'était le dernier modèle quoi. Donc vraiment j'ai eu de la chance. Mais là je viens de voir que sur le site il est de nouveau disponible en toutes les tailles. Donc voilà, donc c'est une matière qui s'apparente un peu à du lin. Je trouve ça de très bonne qualité, j'aime bien la matière. Le seul bémol c'est que ça se froisse, mais alors voilà, je fais un faux mouvement, tout est froissé déjà quoi. Donc là j'ai repassé avant de la porter, mais voilà, malgré tout dans l'état dans lequel je suis quoi. Donc au-delà de ça, je trouve que la pièce, en tout cas l'ensemble, est nickel. Donc c'est pas un taille haute là, j'ai fait exprès de faire rentrer la chemise dans le shirt, mais ensemble voilà, bon, on est bien dedans. On peut les porter avec des baskets ou des sandales à talons. Moi je les ai portées avec des sandales à talons rouges, je voulais que ça soit un petit peu pétant parce que c'est du blanc, et avec le blanc j'aime bien mettre des couleurs un peu plus marquantes. Donc j'aime bien l'ensemble, manche courte, plutôt léger, une matière vraiment souple et tout. Donc ça encore une fois, c'est parfait pour l'été, on est bien dedans, je suis bien dedans, c'est simple, ça va jusqu'au XL. C'est plutôt élastique, attention, ouais. Donc vraiment, je vous le recommande si vous osez les pièces comme ça un petit peu. Bon, c'est un peu court quoi, mais ça se démarque quoi. Donc moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fan. Portez des baskets ou des petits talons ou des mules, pas comme vous le sentez, des sandales aussi. Donc on est bien, on est belle et je valide. Ensuite, on se rappelle que c'est l'été, même si on se rapproche de la fin. Mais j'ai quand même eu un gros coup de cœur pour ce short de taille haute que je trouvais super joli. Donc je l'ai pris en taille L au prix de 25€. Donc là je l'ai associé avec un haut noir. Voilà, des petits nœuds, voilà, c'est pas un Zara, mais je trouvais que ça allait bien ensemble. Et à part avec mes sandales à talons rouges, voilà, je trouve que c'est super joli. Ça, c'est pour aller, si vous allez faire la touriste, je sais pas,
Vous allez vous promener sur Paris, vous allez en vacances au Portugal ou en Espagne, vous allez vous promener sur Barcelone, je vois bien. C'est le genre de short que je vois bien dans ce genre de ville, au Portugal, voilà, je trouve que, voilà, on est bien dedans. Donc j'ai pensé qu'un petit sac comme ça, tout ça, comme un petit pochon, vraiment tout mignon. Et bon, voilà, c'est le short touriste par excellence, quoi. Donc il est vraiment simple, mais encore une fois, c'est parfait, quoi. Je trouve que... Je me trouve, encore une fois, bien dedans. Je trouve qu'il est super joli, super original et super fashion. Donc, je valide, mais alors, 1000 fois. Après, je ne sais pas si c'est le mieux de combiner avec un haut noir, mais je trouve que ça va bien ensemble. Donc, ça peut également se porter avec un haut blanc ou avec un haut un peu imprimé marin. Je pense que ça peut le faire aussi. Mais moi, c'est vrai que noir ou blanc, les couleurs un petit peu neutres ou les couleurs vraiment classiques, basiques, c'est ce que je préfère. Donc voilà, ce short blanc que je vous recommande 1000 fois. J'ai trouvé en boutique, hein, pas sur le site, et j'ai eu un vrai coup de cœur. Et je ne regrette pas du tout le passage en boutique. Voilà, donc bien entendu, je le recommande. Hein, il est super joli et bonne matière, super confortable. Encore un joli taille haute que je vais porter sans hésitation. Les shorts en jean, c'est pas trop ma cam, mais c'est vrai que l'été, c'est un indispensable selon moi. Donc là, j'en ai pris un qui est... quand même bien déchiré, hein. Beaucoup de déchirures sur le devant et derrière il est quand même bien court. Bon, ça reste quand même quelque chose de raisonnable et de portable, mais c'est vrai que habituellement je prends des shorts un peu plus longs, voilà. Mais celui-ci, voilà, il était pile dans la convenance. Je pense qu'il était plus court, là je commençais à être indécente. Voilà, bon, sinon il est taille haute, je l'ai pris en taille 42, il est au prix de 19 €. Le t-shirt également à Zara, j'aimais bien les imprimés, je trouve ça joli. Donc il est vraiment tout simple, taille L. Au prix de 9 €, et donc j'ai associé ça à, encore une fois, à mes étalons avec mon sac wax de chez La Folie Wax. Pour celles qui seraient intéressées, je vous mettrai le compte Instagram sur dans la barre d'infos pour celles qui seraient tentées par les sacs en wax. Je trouve ça super joli. Donc voilà, donc j'aime bien l'association, c'est simple, ça fait un peu sexy. Là, j'avoue que je me suis aventurée dans une zone un petit peu pas dangereuse, mais un peu plus voilà. J'ai voulu m'aventurer dans des zones un peu plus inconnues. Moi, je regrette pas trop la prise de risque. Voilà. J'aime beaucoup le résultat final. Ça se porte avec des baskets, bien entendu. Mais c'est vrai que là, les talons, je trouvais que ça faisait chouette. Voilà. Donc, j'avoue que là, le short, je le porterai avec des talons. Quoi. Là, je vais le porter sans problème. Quoi. Donc, je trouve le résultat final est vraiment au top. Voilà. Je suis un flic, encore une fois, même si le terme ne s'utilise plus. Mais bon, j'aime beaucoup l'effet final. Je trouve que ça fait des jolies jambes, je me trouve bien dedans. Mon t-shirt vraiment simple, j'aime bien le résultat final. Voilà, donc encore une fois, un short dans la couleur, j'ai pas de short dans cette couleur-là. Donc pour moi c'était parfait, taille haute, il est plutôt grand, nickel. Voilà, donc je le garde, il va rester dans ma garde-robe et je le reprendrai sans problème. Bon, pour être honnête avec nous, hein, je vous dis, hein, moi, les dernières collections Zara, j'avoue, je suis fan de tout ce qu'ils proposent. Donc encore une fois, leur pantalon, je suis... in love. Donc celui-ci, c'est un pantalon large, il est disponible en 3 modèles. Moi, j'avoue que j'ai eu un coup de cœur sur Instagram et le modèle que j'avais repéré, c'était celui en jean bleu jean. Il y a en bleu jean, il y a le beige et il y a un vert haut, quoi. Et je vous avoue que j'avais flashé sur le bleu jean, mais j'avais pas réussi à le trouver en boutique. J'ai vu le beige, je l'ai essayé et il me plaît vraiment beaucoup. Donc là, je l'ai porté avec le haut noir sans manche. Et ça fait super bien ensemble avec des talons. Là, j'ai mis des escarpins, mais vraiment simples. Mais je pense que je le porterai avec des baskets ou des sandales un peu plus fines. Mais ensemble, ça le fait aussi. Pour aller travailler, ça encore une fois, pour la rentrée, voilà, je pense que j'aurai aucun complexe à le porter, mais alors sans hésitation. Donc là, vous voyez, c'est un peu large, taille haute. Je pense qu'avec une petite ceinture, ça donne un peu plus de flow à la tenue, avec des petits accessoires, un sac tout simple. Et je le sens encore une fois super fraîche dedans. Voilà, donc le pantalon en taille L, encore une fois, et à quel prix? 39,90 €. Donc, on adore, mais en tout cas, j'aime bien la forme, comme ça c'est original, comme ça un peu, genre la jambe du pantalon est quand même arquée, un peu arrondie, je trouve ça original. J'ai pas de jean dans ce style là, et bah, pas du tout déçu. Je vais essayer avec le blazer. Pour que vous ayez une petite idée du résultat final. Je pense que le blazer, ça peut le faire aussi. Donc, ouais. Je le sens, ouais. Ça fait super bien. Franchement.
Ouais, bah je valide aussi, hein, franchement avec le blazer beige, pour aller bosser, encore une fois. What do you think? On n'est pas bien dedans, en tout cas moi, j'aime beaucoup l'effet, voilà. Sans blazer, avec le blazer, voilà, ça peut être quelque chose de beaucoup plus classique, et après ça peut avoir un rendu beaucoup plus ordinaire. Voilà, donc j'avoue que l'effet final est vraiment bluffant. En tout cas, j'aime beaucoup ce pantalon, original. Donc, je pense que c'est mieux sans blazer en fait. Voilà. Le blazer n'apporte rien de plus. Enfin, il est joli pour se couvrir, mais je trouve que sans, voilà, je pense que la tenue est bien comme ça. Voilà. Et les fiches, c'est là que je me dis vraiment, j'ai trop de sap. J'avais même pas vu cette robe. Donc elle était coincée dans les méandres de mon tas de fringues là, dans un coin. Et en fait, je me rends compte qu'elle est super belle. Je l'avais oublié, mais là je vais m'en rappeler, j'ai rien vérifié, je l'avais. Ouais, moi je l'avais zappé quoi. Donc voilà, c'est une robe à volant. Comme ça, un peu fluide, un peu légère. Donc elle est doublée, bien entendu, sur les points de la robe. Sur le devant, elle se referme, mais j'ai laissé ouvert volontairement. Voilà, je trouve que ça c'est bien. Donc il y a un petit bouton ici, mais bon, je pense qu'il faut le laisser ouvert. Les manches sont un peu élastiques, assez larges. Il y a des espèces de petites perles dessus décoratives, je trouve ça vraiment joli. Donc les imprimés à fleurs, je trouve ça vraiment top. Donc là, je les ai portées avec des sandales toutes simples, voilà, plates. J'avais acheté ces Zara dans le dernier haul Zara, je crois que je vous les avais montré. Je trouve qu'ensemble, voilà. C'est une robe sans prétention, donc j'ai pris en taille L. Elle est au prix de 39 € et elle est super jolie. Vraiment pour l'été. Et clac, vraiment je la trouve, il fait un peu bohème, bobo comme ça, c'est simple, c'est léger, c'est mignon, moi je trouve vraiment super joli dedans quoi, donc avec un petit sac comme ça, une petite bourse, que demander de plus quoi, c'est la simplicité par excellence, je trouve ça super beau, voilà, donc j'adore cette robe, mais franchement je la garde, je valide, oh là là, des fois franchement je suis tellement tête en l'air, où je consomme tellement que des fois j'en oublie des jolies perles quoi. Donc celle-ci elle en fait partie. Et je sais pas si elle est encore disponible sur le site parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que je l'ai prise quoi. Mais oh, je la trouve vraiment belle. Vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté des robes. J'ai des robes chez Zara comme ça quand elles sont des imprimées, j'aime pas trop. Souvent je les ramène parce que je suis souvent déçue. Mais celle-ci, elle est vraiment bien. Vraiment, vraiment très très jolie. J'aime bien le côté un petit peu élastique à la taille, un peu cintré et un peu plus évasé sur le bas. C'est nickel, vraiment nickel. Donc voilà, je vous mettrai le lien si elle est encore disponible sur le site. Bon, sinon dans les basiques chez Zara, des fois il y a des trucs vraiment 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 simples, mais tu portes au quotidien mais sans difficulté. Donc là j'ai pris deux robes. Donc la première c'est celle-ci, mais elle est vraiment, quand on parle de simple, elle est vraiment simple. On peut pas faire plus basique quoi. Donc elle a manche comme ça, manche courte, et elle est marée de mi-cuisse. Et basta, voilà, col rond. Elle est au prix de 9 €, mais je trouvais ça nickel pour aller travailler avec des baskets. Voilà. Que dire de plus, je pense qu'elle se suffit à elle-même, elle n'est pas compliquée. Il y a plusieurs tons de disponibles, beige, gris, mais je trouve que le noir pour moi, c'est le meilleur, c'est la meilleure couleur quoi. Vraiment, pour des robes comme ça, j'irai pas m'aventurer vers des couleurs un peu plus... C'est moins intéressant le gris ou beige quoi. Noir, franchement, c'est basique. Et puis, bien entendu, tu peux la porter avec des sandales un peu plus sexy pour aller la porter pour une soirée. Je pense que ça peut le faire. Mais en tout cas, pour aller travailler, vous voyez, avec mon petit sac, d'ailleurs, Zara aussi. Mon petit sac comme ça, mon petit top bag là. Enfin, un gros top bag plutôt. C'est confortable. C'est simple. C'est passe-partout. Et on est bien. Donc, je les prends en taille L. Et bah, je ne regarde pas du tout l'achat. Voilà, avec des baskets, pour moi, je trouve que c'est l'association la plus pertinente, quoi. Donc ensuite, du second modèle comme ça, basique, c'est un peu le même style, une matière un peu plus, un peu meilleure qualité. Donc celle-ci, elle est au prix de 15 €. Donc là, il n'y a pas de manche. Une coupe similaire. Et celle-ci, je trouve qu'elle est un peu plus travaillée. Donc en gros, si vous allez le matin, vous allez bosser, et le soir, vous avez un rendez-vous le soir, vous pouvez la garder, vous changez juste la paire de godasses, quoi. Donc là, je les ai portées des baskets, mais... Je pense que ça peut faire une super jolie robe de soirée également. Donc elle est un peu courte, mais c'est du classique. C'est la petite robe noire par excellence, que je trouve simple,
Et encore une fois, elle fait le job, quoi. Je trouve qu'elle flotte bien la silhouette. Voilà, donc pas compliqué. Là, j'ai mis des petits bijoux. Attendez, je vais le cacher parce que là, ça, ça va ensemble. Mais alors, je trouve que c'est plutôt réussi. Vraiment, celle-ci aussi, je l'ai portée. Elle fait son petit effet. Elle, voilà, c'est une combinaison vraiment gagnante. Basket, petite robe simple, ça le fait. Ou petite robe simple avec des sandales à talons, ça le fait aussi. Des sandales à talons noirs, je trouve que c'est plus judicieux. En tout cas, bah, je suis fan. Bon. Là, je vous avoue, je suis un peu perplexe. Je ne sais pas quoi dire de cette robe. C'est tellement simple que je n'ai pas les mots. Je la trouve tellement simple qu'elle n'en est pas intéressante. Et j'hésite même à la rendre. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je trouve qu'avec des sandales à talons, ça le fait mieux qu'avec des baskets. Donc, je l'ai présentée à elle. J'avoue qu'elle est assez grande. Elle est très grande même. Taille L au prix de 17 euros. Là, je vous avoue que mon enthousiasme, il est passé à la trappe. C'est trop simple. Je sais pas, peut-être le fait que ce soit pas assez centré. Peut-être je vais peut-être dû mettre une petite ceinture avec. Attendez, on va peut-être mettre une ceinture, on va voir si ça va mieux. Alors, attendez. Parce que là, j'avoue, comme ça, là, elle fait trop large, trop. Ça fait vague. C'est une robe comme ça un peu aléatoire, quoi. Un peu trop basique pour moi. Attendez. Petite ceinture, ça va peut-être sauver le look, quoi. Voyons ça de suite. Je sais même pas. Franchement. Ouais, c'est mieux. Ah ouais, c'est mieux. Petite ceinture cintrée, là, je trouve que. Bah là, ça a beaucoup plus de flou, finalement. Ouais, donc. Ouais. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Chez vous, là, je sais pas. Je la rends pas. Le ticket est toujours là. Ça fait un moment que je l'ai, donc. Je suis hésitante, mais j'avoue que je ne suis pas convaincue. C'est vrai qu'avec la ceinture, ben là tout de suite, ça a beaucoup plus de l'effet là. Je trouve que ça fait même grave joli. Là, je me regarde dans le miroir. Et là, je trouve que la robe, elle a tout de suite plus de sens. Mais j'ai peut-être besoin d'être rassurée. Voilà. Donc, elle n'est pas chère, ça, certes, ça, c'est vrai. Mais j'ai réfléchi encore. Ouais, bon, voilà. Bon, on verra. Aïe. Là, on a dépassé le stade de la bienséance. On va dans la. Pas dans l'indécent, mais dans quelque chose d'un peu plus osé. Donc là, j'ai opté pour un body transparent. Voilà, transparent. Parce qu'à la base, il n'y a pas de soutif. Hein, donc moi, j'en ai mis un parce que voilà. Mais à la base, il est transparent partout. Donc bien entendu, il faut mettre des sous-vêtements. Ou sinon, vous mettez un débardeur. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Voilà, donc moi, j'ai opté pour le soutif uniquement. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Bon, col V, des manches bouffantes. C'est taille L, je l'ai pris au prix de, je sais pas si c'est 19 ou 17 euros, mais voilà, franchement c'est un prix plutôt abordable. Donc c'est le genre de top comme ça, tu vas mettre, tu vas pas te promener avec, tu vas pour quelque chose de bien ciblé, tu vas au resto, ok, avec un petit blazer, après tu l'enlèves quand tu es dans le resto, mais j'avoue que dans les transports en commun, je sors pas comme ça, là, c'est clair. Donc c'est vrai que ça c'est pour des soirées, on va dire, pour aller en soirée, pour aller au resto, pour un truc bien particulier, mais quelque chose de festif, ok, là c'est adapté. Mais sinon, à part ça, bah, je la mettrai pas comme ça pour aller chez le boulanger, quoi. Je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ça va être compliqué, ça va être complexe. Donc là, avec un jean taille haute, un peu slim, je trouve que ça faisait bien ensemble, avec des sandales à talons, je trouve que ça faisait joli. Abordable. Donc j'aime bien la matière, je trouve que le haut est vraiment joli. Un joli body, hein, vraiment, il va bien. Voilà, donc c'est pas. D'ailleurs, c'est pas string, hein. C'est vraiment un effet un peu comme une guépière, quoi. Donc, vraiment réussi, mais je le garde, voilà. Bon, c'est transparent, certes, mais si tu mets ça avec un blazer, franchement, ça le fait, quoi. C'est juste que là, porter comme ça, moi, ça me choque un petit peu parce que je suis pas habituée à porter des bodys, je suis pas habituée à porter des pièces transparentes, mais c'est vrai que ça va être un challenge, quoi. Mais bien associé, je pense que c'est largement portable. Donc, voilà, taille L. Plutôt réussi, je la garde avec le jean là, je trouve que ça fait super bien ensemble. Donc bah, je la garde et j'aime beaucoup, voilà. Alors il y a un truc chez Zara que j'adore, c'est quand ils font des ensembles. Genre le haut avec le bas dans les mêmes tons et qui se combinent souvent ensemble. Et ça j'adore parce qu'à chaque fois je tombe parce que c'est super beau et que ça voilà, et tu les gardes parce que c'est des intemporels et parce que je les réutilise l'année d'après quoi. Donc là j'ai eu un gros coup de cœur pour bah, cet ensemble là. Enfin, je sais pas si c'est un ensemble, mais bon, je pense que oui. Donc c'est ce top, comme ça, un petit peu à relief, comme ça, à rayures, avec le bas. Pantalon fluide, voilà, taille haute, il est très large.
Donc voilà, manche courte. Donc il est disponible dans plusieurs teintes. Vous avez le noir, vous avez cette couleur là, l'espèce de corail orangé, rouge orangé. Et vous avez un beige. Bon, le beige, je trouve grave moche. Mais moi, mon préféré, c'est celui-ci. Donc pour info, bah, j'ai eu la couture pour celui-ci, mais j'ai pris également le noir. Donc le haut, il est au prix de 15 euros. Et le bas, 17 euros. Donc vous voyez comment moi je le porte. Soit vous portez le t-shirt bien étalé, soit moi je le fais rentrer dans le pantalon. Mais moi je préfère rentrer dans le pantalon, je trouve que ça fait un beau petit style. Donc là, je les ai portés avec des talons. Voilà. Et bah, j'adore le résultat final. Vraiment, je suis fan. Donc là, je les ai pris en taille M. Donc je ne dis pas comment c'est super ample. Vraiment, de qualité, c'est parfait pour l'été ça. C'est genre de tenue, vraiment, t'es trop bien dedans. Vraiment, je trouve la couleur toute simple, mais voilà, ça se passe de commentaires quoi. Qu'en pensez-vous? Mais en général, pour moi, c'est des indétrônables. Je vais les mettre, je vais les porter, mais alors sans hésitation, avec des baskets pour les travailler. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai déjà portée pour les travailler. Mais voilà, j'étais trop à l'aise dedans. Les baskets également, combinées, aucun souci. Mais je trouve que même pour sortir le soir, ça, mais sans aucun problème. Vraiment, aucun complexe à porter. Du coup, je ne suis pas du tout déçue de l'achat. Vraiment réussi. Les trucs amples comme ça, c'est ample. Ça montre rien. Ça montre rien, mais en même temps, t'es élégante dedans. Donc c'est vraiment une pièce, ou en tout cas un ensemble réussi. Donc vraiment, je vous invite, dès que vous voyez des ensembles de ce type, à foncer. En général, les prix sont plutôt bas et on les garde, quoi. On les garde sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quoi. Voilà, donc encore une fois, une pièce réussie. Alors en fait, la noire, elle est même bien plus jolie que la saumon. Je me rends compte parce que je ne l'avais même pas essayé là pour les tickets, là. Donc je vais cacher, c'est un peu pitié comme ça. Mais je la trouve, oh là là, elle a même encore plus belle que là, que l'autre. Je trouve que ça fait vachement soirée. Oh, franchement, je suis trop fan. Je suis trop fan. Elle est super belle. Franchement, la pièce, le haut et le bas, c'est super joli. Donc, rentrer dans le pantalon, moi, c'est ce que je préfère. Et je vous invite à faire pareil. Là, je les ai mis également avec des talons. Mais vraiment, on est trop bien dedans. Avec un petit sac comme ça, un petit peu à... Voilà, un peu pailleté. Mais c'est trop joli. Oh, les petits bijoux comme ça, fantasy. Aïe, 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 je suis in love. Vraiment. Donc, taille L, le bas. Et haut, j'ai pris taille M. Je sais pas, parce que le haut, il est super large. Et le bas, je préfère quand même que ce soit beaucoup plus ample. Parce que c'est une matière qui, quand même, qui a tendance à mouler facilement. Donc, du coup, c'est vraiment une pièce, encore une fois, un ensemble super réussi. Donc, celui-ci, je garde aussi. Super joli. Donc, ça, pour aller au restaurant le soir, bah, je le porterai, mais alors sans problème. Si, par exemple, le temps se rafraîchit, et t'as une sortie ce soir, bah, tu portes ça. Donc du coup, même le noir, je valide, mais alors à 10 000%. Voilà, donc yes, 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 yes. Et bien, nous terminons ce haul avec ma pièce favorite du haul, je crois, ou presque, voilà. Donc, c'est cette jupe, voilà, drapée, voilà, de les tons marron, voilà, ça se passe de commentaires. Je pense qu'elle se suffit elle-même, elle est magnifique. Donc cette jupe, je l'ai repérée sur Instagram, sur l'instagrammeuse Samy Jo. Je suis fan d'elle, j'adore ce qu'elle fait, elle m'inspire beaucoup. Et quand je l'ai vue sur elle, j'ai dit attends, je vais y aller sur le site pour voir à quel prix elle est. J'ai vu 49 euros, bah, j'ai fermé la page tout de suite. Et puis les semaines ont passé, j'ai dit ah, vas-y, va la prendre, t'arrêtes pas de la relooker, prends-la quoi. Et puis finalement, bah, je l'ai commandée, donc je l'ai prise en taille M. Et bah, je suis pas déçue du voyage quoi. Je regrette pas finalement d'avoir acheté quoi. Donc là, je l'ai associé avec un débardeur tout simple de chez Zara à 5 euros, tout simple. Dans les tons un petit peu, je sais pas, un vieux rose quoi. Donc ça va bien ensemble avec des sandales à talons. Hier, je l'ai porté, j'ai circulé avec dans les transports. J'ai mis avec des slippers, qu'on appelle ça, des mules. Voilà, tout simple et tout. Je trouve que ça faisait super bien. Ça faisait un bel effet aussi. Donc. Je trouve ça c'est super élégant, je trouve que ça se plaque bien le corps. Je me sens tellement femme avec cette jupe, vraiment que je sais pas quoi vous dire. Voilà, elle s'admire. Voilà, je trouve simple mais belle. Les jupes drapées, j'en ai vu une comme ça aussi sur H&M, mais elle était moins. Elle faisait moins élégante quoi. Celle-ci, elle est vraiment nickel. Vraiment parfaite. Vraiment, voilà, pour l'été, c'est nickel quoi.
Donc j'en suis trop fan, et je la trouve super sexy. Je me sens vraiment, je me sens femme avec. Quand je la porte, tout de suite je me sens mieux quoi. Donc voilà. Donc ça dans la talon, je trouve que c'est l'association la plus réussie selon moi. Voilà. Donc pour sortir le soir, pour aller se promener ou sinon aller sur place, ça le fait aussi. Donc voilà, la jupe râpée avec le petit débardeur. Qui va bien avec, après on peut le mettre avec un t-shirt, bref. Je serais avec des barrières, je trouve ça bien ensemble. Donc voilà, la jupe à 49€ et le top à 5€ et quelques. Voilà les filles, je vous dis, j'ai chaud comme jamais, ce qui fait super chaud aujourd'hui et demain il va faire chaud. Les jours qui viennent aussi, donc c'est vrai que là je suis un peu en transe et puis j'ai beaucoup filmé. Puis les éclairages, ça n'a pas aidé, donc c'est vrai que là je suis un peu fatiguée. Mais c'est fut un plaisir de tourner ce haul et de vous partager un peu, mes trouvailles. Parce que le dernier haul Zara remonte à mai, donc c'est vrai que là j'ai quand même pas mal accumulé. Donc le haul il va être lourd, donc voilà, faut vous préparer à ça. Que vous dirais-je donc? J'espère que vous aurez apprécié ce haul. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos derniers coups de cœur chez Zara, quelles sont les pièces que vous avez préférées dans mon haul. Et puis voilà. Donc, on se retrouve très prochainement dans la semaine parce que j'ai plein de trucs à vous présenter. Là, j'ai un haul Primark à vous faire. Donc, il faut d'ailleurs que j'aille chez Primark pour la rentrée. Ce sera vraiment que pour ça. Et puis, un ou deux make-up. Ça sera intéressant de faire ça dans la semaine aussi. Donc, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à laisser des pouces positifs si cette vidéo vous a plu. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Donc, faites tourner cette vidéo aussi. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je mettrai tous les liens dans la barre d'infos si je les trouve. Si je les trouve pas, allez regarder en boutique. Voilà. Donc, à bientôt. Bye.